Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai des très très beaux jouets en collaboration avec Pomango à vous montrer qui sont à 25% de rabais jusqu'au 22 mars inclusivement parce que c'est le mois de mars, mois de la nutrition. Puis, je dois vous dire que là, le jeu symbolique, les jeux d'imitation, la cuisinette, tout ce qui tourne autour des aliments et de la cuisine, je dois vous avouer que ce sont les jeux auxquels mes enfants jouent le plus souvent. Alors, ces jouets-là, à quoi ils servent, mis à part faire comme papa-maman, faire les adultes, s'approprier le monde dans lequel on vit? Premièrement, ils servent à découvrir des nouveaux aliments et aussi imiter les bons gestes de la cuisine qu'on a vu avec papa-maman. On peut aussi faire comme les grands, alors que des fois, c'est interdit en cuisine d'utiliser des objets coupants ou des instruments un petit peu plus compliqués. Puis, moi, je vais même encore plus loin que ça. Autour de la table, hein, ça revient 3 fois par jour pour nos petits de manger. Ça fait vraiment partie de leur routine. Donc, c'est normal que ça ressorte dans leur jeu symbolique. Puis, tu sais, des choses comme des allergies, comme par exemple un petit garçon qui est allergique aux œufs, peut-être que dans le jeu, les émotions vont sortir. Ça va être un autre ami que lui qui est allergique aux œufs. Ça va être maman qui va être allergique aux œufs. Donc, c'est peut-être une façon d'extérioriser tout ce qu'il vit autour de son allergie, puis qu'il y a peut-être de la difficulté à verbaliser. Donc, plein de choses que l'on peut faire, puis je vous montre ça tout de suite. Alors ici, vous l'avez déjà vu, mais je vous le présente parce qu'il est vraiment trop incroyable. C'est quand même assez solide. Ce sont des jouets en bois. Hein, vous commencez à me connaître, j'opte toujours pour l'option la plus durable, la plus écologique. Donc ici, on a des fruits et des légumes que l'on peut couper. Pourquoi je vous présente celui-là? La tomate aussi se divise en deux. L'oignon, la pomme de terre, hein, ça sert aussi à développer le vocabulaire entre les enfants. Puis si papa, maman embarquent dans le jeu aussi, autour des aliments. Le fromage, hein, c'est un mélange fruits et légumes, mais aussi on a aussi un fromage. Puis ce que j'aimais de celui-là, c'était justement les instruments de la cuisine comme la râpe. Ici, on a un économe et un petit couteau de cuisine, plus la planche à découper. Donc vraiment, il ne manque pas grand-chose dans cet ensemble-là de Ape Toys. Le deuxième jouet de Le Toy Van, toujours en bois. C'est un de mes préférés. Mes enfants l'ont à la maison. Alors, même si c'est pas en plastique et tout, là, il y a quand même des choses que l'on peut faire. C'est la petite machine à café avec la tige expresso comme papa-maman. Alors là, on est à fond dans le jeu d'imitation. Puis, on sait que les parents boivent beaucoup de café. Alors, j'aime bien jouer au barista avec mes enfants. Alors, on a les petites capsules de café. Donc, on peut dire quelle saveur. Hein? Finalement, on exerce son vocabulaire, son langage. Les couleurs de pastilles, encore une fois, c'est une belle acquisition à faire au niveau du langage. Puis, ça vient avec deux belles petites tasses super mignonnes, dont une qui s'installe ici, hein, n'est-ce pas? C'est une décoration en soi. On a une petite cuillère également pour brasser le café. Puis, on a 3 boutons, je l'ai souligné, qu'ils marchent, les boutons. Hein, on peut appuyer dessus. Et également, la petite manivelle ici, la petite poignée, qui se tourne. Donc, vraiment un super beau jouet à ajouter dans la cuisinette de vos cocos. Un autre ensemble de Plain Toys que j'aime beaucoup en bois toujours, c'est l'ensemble la pâtisserie. On a la spatule, le rouleau, hein, quel beau mot à découvrir avec ces mini, les petites cuillères à mesurer, le fouet et également le couteau à pâtisserie. Bon, pourquoi je l'ai choisi celui-là? C'est parce que mon fils me demande toujours le rouleau à pâte, puis je trouve qu'il est trop petit pour manier le gros rouleau à pâte. Alors, j'ai l'intention de l'amener à utiliser son jouet lorsque je vais faire des biscuits, parce que regardez, il est fonctionnel, le petit rouleau, puis toujours en bois, c'est très, très, très mignon à avoir. C'est quand même un kit assez complet, je le trouve assez abordable celui-là. Je poursuis avec un jeu un petit peu différent. C'est quand je vais au marché de Passe-Partout des éditions Pierre Belvédère, toujours chez Pomango que vous pouvez le trouver. Alors ici, ça vient avec beaucoup de cartes avec différents aliments. Ce ne sont pas seulement des fruits et légumes comme dans l'émission, mais on a tout un paquet de fruits, de légumes, de produits laitiers, etc. Puis, on a tenté de choisir des aliments bons pour la santé. Alors, comment on joue? C'est finalement, chaque joueur va prendre une carte et doit dire la petite comptine. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier des dates. Alors, il va mettre
la carte pour que tout le monde les voit. Et là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est au joueur suivant. Il doit faire la même petite comptine en nommant la ou les cartes précédentes sans se tromper. Et le gagnant, c'est celui qui arrive à nommer 5 éléments qui se trouvent dans le petit panier. Je le trouve bien celui-là parce que là, ma fille a commencé à voir les groupes alimentaires. Donc, on peut finalement utiliser ces cartes-là pour les classer. Même chose pour les jouets qu'on a dans la cuisinette. Puis, on a un certain souci pour l'éveil à l'écrit dans ce jeu-là. On a illuminé la première lettre des mots pour finalement commencer à s'intéresser à l'orthographe des mots. L'ensemble à déjeuner de Hep, il est tout simplement magnifique. Hein? C'est vraiment très complet. On a des petits yogourts, de la confiture, hein, toujours en bois, des bouteilles pour le jus d'orange. Hein? Il y a des mots ici qui sont inscrits. Certains sont écrits, sont écrits en anglais, mais ça peut être intéressant aussi à pratiquer avec nos enfants. Le petit lait ici, ce que j'aime, c'est que ce sont vraiment des objets du quotidien ici. Les enfants voient ces produits-là tous les jours. Donc, je trouve ça intéressant pour un jeu d'imitation de les avoir parce que c'est sûr qu'ils vont les reconnaître et qu'ils vont les utiliser en premier. On a un beau fromage, également 3 cocos en bois. Puis, ce que j'aime faire avec mes enfants aussi, c'est de jouer à l'épicerie, au restaurant. Alors, je leur écris finalement une liste. Ma fille est capable de lire la liste des ingrédients et des produits à aller chercher. Puis là, ils ont comme une petite voiturette, puis ils vont me chercher ça dans les tiroirs près de la cuisinette, puis ils me les ramènent. Donc, ça pratique la lecture, l'écriture, si la personne, elle veut, si je fais une petite dictée pour écrire la liste. Puis, en même temps, on s'amuse comme des fous parce que ça crée du mouvement dans la maison. Alors, je vous avais promis un livre. Il s'agit de La chenille qui fait des trous de Eric Carle. Il s'agit de la version française de The Very Hungry Caterpillar, pour ceux et celles qui connaissent cette version-là. Et puis, je l'aime beaucoup ce livre-là parce que non seulement on élargit notre vocabulaire au niveau des aliments, surtout des fruits et des légumes avec les tout-petits, mais on va s'exercer aussi avec la notion du nombre, du dénombrement. Parce que la chenille, c'est l'histoire d'une petite chenille qui mange et qui mange et qui mange et qui grossit. Et puis, elle va commencer par une pomme, 2 poires, 3 prunes, 4 fraises et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle devienne très, très grosse. Puis là, finalement, on peut aussi apprendre que les chenilles deviennent des papillons lorsqu'elles ont assez mangé et qu'elles ont fait un beau cocon. Alors, c'est vraiment un grand classique et un incontournable pour les tout-petits. La version française n'est pas toujours facile à trouver, donc elle est accessible chez Pomango. Puis, écoutez, j'avais aussi, j'ai mon biscuit ici, qui a connu des jours meilleurs parce qu'il est allé dans la sécheuse, mais j'avais 2 livres de biscuits cassonade que mes enfants adorent, dont je voulais vous parler, mais je ne les trouve plus dans la maison parce qu'ils sont trop populaires. Vous pouvez également vous les procurer chez Pomango. Hein? Biscuits cassonade, ce sont 2 frères, 2 animaux. C'était biscuits et cassonade vont à la ferme ou aiment la ferme et biscuits et cassonade aiment la cuisine. Donc, 2 façons aussi d'aborder le mois de la nutrition, comment cuisiner en famille et aussi d'où viennent les aliments. C'est quelque chose qu'on peut travailler avec les enfants via les livres, via les jouets. D'où viennent les aliments? Hein? Ça vient de la ferme, oui, mais quel animal produit par exemple le lait? D'où viennent les légumes? Comment ça pousse? Ça pourrait être une chose intéressante à voir avec les enfants. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager. Puis, à bientôt!